Alors, ça on va le prendre, merci bien. Alors, je vous laisse imaginer comme c'est dur d'être dans les 100 premiers, même s'il y a 3 équipes, on va dire les 300 premiers du coup. Parce que, comme vous l'imaginez, il y a 120 millions d'habitants au Japon et à peu près déjà 10 millions de téléchargements de l'application, donc ça fait pas mal de concurrents potentiels, hein. Hop là. Ah bah c'était complètement raté ce que j'ai fait. Voilà, c'est mieux. Ah! Bouge de là, ok. 13, nickel. Et voilà le premier cadeau. Alors on va enlever Kilakoma. Le cadeau il s'est envolé là. Hop là! On va charger lui aussi. Hop là! Allez, ça devrait suffire pour le débloquer. Super, 6 cadeaux. Par contre, faut qu'on fasse un peu gaffe à la vie. Ok, on est entré en fever, on peut y aller. Bon, ça fait deux fois que je rate mon truc avec Kilakoma là, ça devient un problème. C'est pas grave, on perd un cadeau. Mais bon, il faut surtout pas lâcher l'étoile. Et tout le monde conseille d'avoir un petit, vous savez, un petit film protecteur sur le téléphone parce que ça permet de mieux glisser et surtout ça évite que le gras que vous avez sur le bout des doigts ou un peu de, comment dire, de moiteur vous empêche de bien utiliser Kilakoma ou même Fukuoku-jū. Alors, 18 millième, pas mal. On commence à monter petit à petit, on est encore loin des 100 premiers, hein, je vous l'avoue. Alors. Il a l'air très bien, lui. Comment ça. C'est un niveau S, non? On va voir. Non, ça va être un niveau B plutôt. Je dois dire des bêtises. Ouais, niveau B. On l'a eu tout à l'heure, on l'a raté. Bon, bah, j'ai plus de glace très chère, donc je te file une glace moins chère, mec. Allez, viens. Arrête de faire ton crâneur. Oula, ça va pas être terrible, ça. Ok, on va faire ça déjà. Quatre, c'est la taille. C'est la pire taille possible, quatre. Là là, c'est une catastrophe. Bon, écoute, on va faire ça parce que ça me saoule déjà, là. La configuration de. Ok, on va essayer de pas mourir aussi. Ok. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, on est en fever, donc on devrait être bon. Ok, celui-là c'est fait. Ok, nickel. Nickel, nickel. Et il ne vient pas, évidemment. Mais ces pounis ne viennent jamais, c'est terrible. Alors, 250, c'est plutôt net, hein. Ok, on a un niveau caché, super. Qui ça peut être? On va aller voir. Un niveau caché, et on a le 25 en Yokodori. 16 millième, on a gagné 2000 places là. Pas mal, hein? Allons-y, qu'est-ce qu'on a récupéré? Des trucs inutiles, enfin de la thune, c'est jamais inutile. On va commencer par ça là, parce que c'est niveau des ennemis.
Fume, Toto, Kokoma de Kimashita ne. Tout voilà arrivé jusqu'ici. Koko de wa hikae no yokai puni o tsukatte. Teki team kara. Ah, super, on peut piquer des trésors, des cadeaux à l'équipe adverse. Ouais, donc il faut que je choisisse des bons, des yokai assez forts et surtout qui sont de d'une bonne équipe. Et on y va. Alors, Shinto. Le mec, il est en Bleachy. Bleachy. Ah. On va essayer, on va voir. J'ai jamais fait ça, le Yokodoli, donc... Ah, choisis mon équipe, ok. Alors ici, tu vas choisir les membres de ton équipe. Ouais. Ah ouais, parce qu'en plus, ils vont être... Ah. Ok, s'ils ont beaucoup d'HP, ils vont revenir plus vite. Par contre, s'ils ont beaucoup d'attaques, ils vont pouvoir piquer plein de trucs. Ah ouais, il y a des ponies que je pourrais plus utiliser du coup. Ben écoute, on va tenter une équipe en... On va utiliser Last Bushi parce qu'on l'utilise jamais. On va rester en Isamashi pour voir ce que ça donne. On peut prendre qui d'autre? Ah, je suis là. On va prendre que du SS pour voir ce que ça donne. Allez. Kete. Ah, j'hésite. Et on va tenter ça, on va voir ce que ça donne. Itekimasu. Donc ils sont partis attaquer. Donc ça va revenir dans 2h10. 2h10. Ok. On va aller sur ce niveau-là, qui est un niveau caché. Oh, bah salut toi. Ah, il y a un super... Je suis là comme un super balèze. Et en plus... Ah, il m'enlève mes âmes ultimes. Ok, on va essayer, on va voir ce que ça donne. J'ai peut-être pas la meilleure équipe pour essayer d'attaquer. En plus, team... Ah là, je peux genre utiliser personne, super. Je peux utiliser Kilakoma. Le Koala. Ok, donc on va changer les membres de notre équipe. On va prendre qui? On va prendre... Alors, on peut pas prendre de Nyololo, ça c'est sûr. On peut pas prendre non plus de Poka Poka. On peut prendre des Fushigi, des Bleach... On va aller voir en Bleach. On va prendre Hello Kitty. Déjà, c'est sûr. Ensuite, on avait droit à Usula Kage. On va prendre lui, bien sûr. Et Isamashi, si je dis pas de bêtises. Écoute, ce qu'on va faire, on va quand même enlever le koala et on va le remplacer par le Pink Emperor. Bon, c'est que du SS, hein, je suis désolé. Non, c'est pas le bon niveau. Ce qui ne veut pas dire que je vais gagner, hein, parce que apparemment, il renvoie les attaques. Et il vide les gauches d'âme ultime. Allez, c'est parti. Et en plus, évidemment, il y a des cadeaux. Ah ouais, il est quand même super balèze, quoi. Ah, je me suis fait défoncer, quoi. Waouh, et c'est il y a 100 continus en plus. Alors là... Ah oui, mais évidemment, il faut les yokai de... D'accord, il faut des yokai d'événements pour le battre, hein, en gros, quoi. Ok, bon, ben laisse tomber ce niveau pour l'instant, on va aller ailleurs. Du coup, on va refaire notre équipe habituelle. Ça, c'est un peu ce qui est frustrant dans le jeu, souvent, c'est que... Ben, si vous n'avez pas les punis de l'événement, ben, bon courage pour réussir à battre les boss, hein. Vraiment...
On va garder lui, tiens. Quoique, il ne sert un peu à rien pour les... on va reprendre Yamatan, comme d'hab. Et qui on peut... Ah, on peut prendre... Tsukubi, parce que elle est super balèze pour se connecter aux autres Pony. Donc ça, c'est la carte. On va aller de l'autre côté. Donc, il nous reste tous ces niveaux-là. Le côté jaune, en fait. Hein. Bon, bah, on y va. Niveau 10, c'est parti. Sakura Goku. Salut, toi. Kizunars. Ah, bah, il y en a deux, en plus. Ah, je me fais avoir à chaque fois avec... Kilakoma et elle qui se ressemblent. On va casser celui-là pour l'instant. Ah zut, c'est pas ce que je voulais faire. Là, c'est fait. J'ai pas envie d'entrer en fever trop vite. Si je fais ça, je sais que je vais rentrer en fever. Donc, non, on va pas faire ça. On va faire ça plutôt. Bon, c'était peut-être pas très malin de faire ça. On va peut-être faire gagner des points. Ah bah c'est pas mal. Alors, ça nous donne quoi? ...160, c'est plutôt honnête, c'est plutôt honnête. On va continuer. Alors, est-ce qu'on a débloqué un nouveau cadeau? Oui. Alors, allons-y. Oh oh, 15 millième, bravo. Hop. Alors... Niveau 12. Oh bah dis donc, salut toi. D'ailleurs, il est beau gosse habillé comme ça. Il lui manque un peu de vêtements quand même, mais bon. Tiens, on va essayer de te choper. Un rancé, il devrait pouvoir venir avec un truc super cher comme ça, quoi. Je commence à ne plus en avoir beaucoup d'ailleurs. Ah super, j'ai raté. Ah, deux fois, c'était sérieux là? Non, ça c'est nul, ça c'est nul. C'est vachement long quand même pour les débloquer les cadeaux. Hein. Si vous avez pas Kilakoma ou Fukulokujo, à mon avis, ça va pas être facile. Hein. Alors, on va pas faire n'importe quoi. Ok. Oh, je l'ai eu. Super. C'était tout juste, mais je l'ai eu. Oh, il est venu. Super. Bah, salut. Salut, salut. ...280, c'est honnête. On passe à 3000. 30 000, c'est pas gagné quand même. Hein. Omae, yarunjenka. Ore no kokoro wa. Gara akidaze. Eh ben bien, salut. Hop.
Ok. On arrive dans le territoire du Essapion. Il reste pas mal de niveaux, donc je vous propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour Lana et Iso sur la chaîne YouTube, donc consacrée principalement à Puni Puni pour l'instant. Ciao !